Salut tout le monde! On se retrouve pour la rencontre entre le Stade Brestois et le LOSC, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, qui aura lieu ce dimanche 17 mars 2024 à 13h au Stade Francis Leblé. C'est une très belle affiche entre le 2e et le 4e du championnat. L'équipe d'Éric Roy fait un parcours vraiment surprenant cette saison et tient le rythme pour espérer la Ligue des Champions. Le LOSC vient de se qualifier pour les quarts de finale de Conference League et rencontreront l'Aston Villa de Unai Emery et un ancien joueur du LOSC, Lucas Digne. Le LOSC vient de faire match nul 2-2 contre Rennes à domicile en Ligue 1. Paulo Fonseca, quasi sûr d'être qualifié, a bien fait tourner son effectif jeudi passé contre le Sturm Graz et pourrait donc arriver avec une équipe plus fraîche que ce qu'on pourrait croire. Les Brestois viennent de perdre à Lens 1-0 en Ligue 1. Ils voudront se relancer devant leur public, surtout que les Dogs ne sont pas très bons à l'extérieur cette saison. Pour cette rencontre, le Stade Brestois aura son effectif au complet et pourra compter sur son buteur Pierre-Li Melou, qui a marqué 3 buts sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Du côté du LOSC, Umtiti, Thiago Moraes et Elik ne seront pas disponibles. Paulo Fonseca pourra compter sur le retour d'Ounas, peut-être pour faire souffler Edon Zegrova, qui inscrit quand même 9 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Jonathan David voudra soigner ses stats, lui qui est deuxième au classement des buteurs de Ligue 1 avec 14 buts. Alors même si le LOSC a joué ce jeudi en faisant match nul, un partout, contre l'équipe autrichienne de Sturm Graz, Paulo Fonseca a fait tourner son effectif. Le déplacement ne sera pas facile face à une équipe de Brest qui s'est très bien jouée à domicile cette saison. Je pense qu'il y aura des buts de chaque côté et que le score sera de 1 partout. Un match nul à l'extérieur face au deuxième de Ligue 1 ne serait pas un mauvais résultat pour le LOSC, juste avant la trêve internationale. Voilà mon prono, un partout, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et un petit commentaire. Merci à ceux qui le feront. Je vous dis à bientôt et allez le LOSC. Allez, salut.